j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Cupshe. Ils m'ont proposé de choisir 5 articles sur leur site internet. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si j'ai un petit code promo, pareil, je vous le mets ici et en barre d'infos, parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc c'est un site de maillot de bain, que ce soit petite taille ou grande taille. Et je crois qu'ils ont également un lien, enfin une catégorie maternité. Donc voilà, moi j'ai pris 3 maillots de bain et 2 robes un peu de plage. Donc je vais vous montrer tout ça. Quand vous recevez ça dans des petits pochons comme ça, soit transparent, vous savez, avec des petites zippettes. Donc ça c'est cool. Moi je sais que j'en ai gardé beaucoup, que ce soit des comme ceci ou des comme ça. Je préfère cela avec les petites zippettes, je trouve que c'est plus pratique. Mais sinon vous avez ceci. Donc je vous montre tout ça et je vous montrerai ça à porter juste après. Donc pour commencer, je me suis pris cette petite robe là en 4XL. Donc c'est une robe noire un peu plus simple, qui est ma foi quand même un peu épaisse. On verra bien. Et les manches sont comme ceci. Franchement c'est pas trop le style de manche que j'aime bien, mais bon, on va tester, on va essayer. Moi je la trouve plutôt sympa. 4XL ça correspond à un 52, il me semble. Au pire je vous mettrai des annotations. Mais elle est plutôt très jolie. Le tissu franchement est de bonne qualité. Je vous dis il est assez épais. J'ai peur que pour l'été par contre il soit trop épais. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'elle m'arrive au genou ou en dessous du genou. Donc voilà, une petite robe noire pour la plage, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on est parti dans du un peu plus coloré, toujours au niveau petite robe de plage, c'est ceci. Elle est toute fleurie, ouais, je suis essoufflée, je suis désolée. Elle est toute fleurie avec un fond bleu marine. Je la trouvais vraiment sympa, pareil, je l'ai pris en 3XL. Elle a des boutons tout du long, donc vous pouvez très bien aussi la porter ouverte par-dessus votre maillot de bain. Vous avez une ceinture, vous avez deux liens en fait qui sont cousu à la robe, donc j'espère qu'elle va m'aller. Franchement je la trouve plutôt sympa et cintrée, je pense qu'elle peut être très jolie. Les manches sont courtes, bref, voilà. Le tissu c'est un tissu très léger, par contre je pense que c'est un tissu, vous savez, qui fait un petit peu transpirer. Alors c'est du polyester et spandex, ouais. Dès qu'il y a du spandex de toute façon ça fait, vous savez, un petit peu un tissu, je sais pas comment vous dire, mais bon, elle est très jolie, elle est un peu élastane et moi je trouve que fleurie comme ça pour l'été ça peut être canon. On passe au maillot de bain. J'en ai choisi pour un premier celui-ci. C'est un maillot de bain bleu, en même temps bleu clair et bleu marine. Enfin moi je le trouve très très joli. Ils ont les maillots de bain ont des coques, mais vous pouvez tous les enlever par le biais d'un petit trou normalement. Voilà, pour si vous n'aimez pas les coques, ou alors si vous n'aimez pas, vous allez entendre Ruby, soit vous n'aimez pas les coques, ou alors pour les laver, moi j'aime bien enlever les coques, sinon ça les abîme. Et c'est un col, vous savez, vraiment très fermé, avec un petit nœud à l'arrière, et l'arrière est comme ceci. Donc franchement, il m'a l'air, enfin déjà comme ça, moi je le trouve très beau. Il est froncé un peu au niveau ici de la taille. Et pareil, j'ai dû le prendre en 4XL. J'ai dû tout prendre en 4XL chez eux. Hop, si je m'y retrouve. Ouais, c'est ça, 4X. Mais il est plutôt très très joli. La couleur, en tout cas, me plaît plutôt bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'ai un problème avec le couleur terracotta rouille en ce moment. J'aime trop. D'ailleurs, je vais refaire mes ongles demain et je pense que ça va être la couleur que je vais prendre. Du coup, j'ai pris celui-ci. Vous avez pu le voir également dans la vidéo d'Hélène LC. Je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Elle a fait une vidéo en partenariat avec eux. Et il se présente comme ceci. Il est froncé au niveau de la taille, mais je trouve très très canon. Devant, vous avez des petits volants là. Je le trouve très joli. Avec une petite, une petite goutte juste devant également. Je trouve canon. Les bretelles sont réglables, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, il a des coques, mais on peut enlever les coques. Je l'ai pris en 4XL. On verra, je sais que Hélène l'a trouvé très très échancré. On verra, on n'est pas du tout fait pareil. Donc, on verra l'essayage. J'ai encore rien essayé. Et mon coup de cœur, pourtant franchement, j'aurais pas trop parié là-dessus.
mais je le trouve trop joli. Il a un effet léopard comme ceci en jaune et vert. Alors moi en ce moment le vert j'aime beaucoup aussi. Donc là les coques vous pouvez pas les enlever, c'est comme un soutien-gorge, hein. Et vous avez juste ici, hop, une petite ceinture, vous savez, qui vient juste là en bas de la poitrine, avec une petite boucle plutôt très sympa, et je le trouve canon. Franchement j'espère tellement qu'il va m'aller, je le trouve très très joli. Pareil, les bretelles sont extensibles, par contre vous pouvez pas les enlever, mais elles sont réglables, donc ça c'est cool. Et leur maillot de bain coûte pas si cher que ça, et ce sont de très bons maillots de bain. Moi j'en ai de l'année dernière qui ne bougent pas, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous trouvez votre bonheur. On passe maintenant aux essayages et je vous reviens. Alors on va commencer avec mon maillot de bain coup de cœur. Je le trouve vraiment vraiment très très joli. Mais en fait je vous attends énormément en commentaire dans cette vidéo, parce que je sais pas quoi penser ni de cette pièce ni des autres. Donc je vais vous écouter. Je le trouve vraiment joli. J'avais gardé mon soutien-gorge parce que je n'aime pas trop filmer sans mon soutien-gorge. Mais franchement, il est très très beau. Je trouve qu'il a un très bon maintien de la poitrine. Je lui trouve vraiment pas de défaut, mais je ne sais pas s'il me va ou s'il ne me va pas. Ensuite, le petit terracotta, la goutte de devant me dérange vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait pas joli. On a l'impression que ça fait maillot de bain déchiré, en fait. Et c'est ce qui me déplaît dans ce maillot de bain-là. Maintenant, tout ce qui est petit volant, je trouve ça très très joli. La couleur est juste magnifique. Moi, je trouve qu'il m'enveloppe plutôt bien. Mais la goutte de devant, là, moi, c'est pas possible. Celui-ci, ça serait plutôt mon coup de cœur. Il m'enveloppe, que ce soit bien le ventre, les fesses, la poitrine. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'attends vos avis. Là, forcément, avec le soutien-gorge, ça ne rend pas pareil. Mais on a un bon aperçu. Grâce au coq qui est à l'intérieur, il a un bon maintien de la poitrine également. Et au niveau du cou, c'est pas trop dérangeant. J'ai eu peur que ça me dérange. Moi qui n'aime pas être serré, mais pas du tout. Ensuite, cette robe. Alors, les manches, pour moi, c'est pas possible. Elles sont trop grandes. J'aime pas trop tout ce qui est manches, trempe soupe, en fait. Et c'est ce qui me dérange dans cette robe. Je la trouve épaisse avec un tissu qui, je suis sûre, me fera transpirer. Donc, je suis pas trop, trop fan de la robe, en fait. Après, elle est très, très belle. Elle est de très bonne qualité. Mais elle n'est pas du tout faite pour moi. Et la dernière petite robe, en fait, il y a deux liens. Un lien pour mettre derrière et un lien à mettre devant. Pareil, elle est très jolie, il n'y a pas de fil qui dépasse, les boutons tiennent correctement. Elle taille très très bien, moi je dirais jusqu'à un 54-56, même celle-ci. Et elle est vraiment très jolie. Mais voilà, j'arrive pas à savoir si elle me va, si je me sens à l'aise dedans. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est pour ça, dans cette vidéo, j'ai vraiment, vraiment besoin de vous. Mais à savoir quand même que les 5 articles étaient de très, très bonne qualité. Donc, j'en suis plutôt très contente. Du coup, j'ai gardé la dernière tenue pour vous faire la conclusion. Vous aurez tout entendu en voix off. En fait, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je vais voir un peu au montage, mais je ne sais pas. Je suis un peu dubitative. Il y a des trucs... Enfin, c'est vraiment très, très canon. Mais comme ça, après, j'ai que le retour écran. Donc, je ne me vois pas si ça me va bien ou pas. Je ne sais pas si j'aime ou pas. La petite robe, j'aime beaucoup. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux liens. Peut-être que je peux les fermer là, sur les côtés. Et mettre deux liens. Enfin, je ne sais pas. À voir un petit peu par rapport au site. En tout cas, dites-moi si vous connaissez Kepchi. Si vous allez essayer de craquer sur des maillots de bain pour partir en vacances futures, bien entendu pas maintenant, mais futures. Je vous promets, on va bientôt pouvoir partir en vacances, j'en suis persuadée. De toute façon, ils vont pas nous laisser enfermer à vitam aeternam. Bref, en tout cas, moi je vous retrouve très très vite en vidéo et je vous fais plein plein de bisous. À très bientôt, bisous.